Monsieur le conseiller, de le soir, si le président me dit, cher participant à cet atelier de formation, je voudrais d'ores et déjà vous saluer, non, monsieur le maire, et vous dire merci d'être là. Je crois que quand j'ai lu le titre, on m'a dit Kids Athletics. Bon, je dis athlétisme des enfants. Mais les Américains n'emploient pas n'importe quel mot. Hein. Ils ne veulent pas des children. Ils veulent des kids. Il y a une différence. Le kid, c'est l'enfant qui est en forme. Il n'est pas malade, il est bien portant, il est sain, il est dur, il a le talent. Le kid. Donc, voyez-vous, depuis longtemps, nous avons fait des erreurs. De croire qu'il suffit de diminuer la distance, il suffit de diminuer la grosseur du ballon pour que l'enfant puisse faire la même chose que l'adulte. Or, le corps de l'homme a des étapes dans son développement. Et quand vous lui imposez à 6 ans quelque chose qu'il doit faire à 12 ans, ce n'est pas la même chose. Comme j'ai affaire à des enseignants, c'est la même chose pour l'intellect. Il y a même des enseignants qui sont pressés à 3 ans et demi de mettre leur enfant au CPM. C'est-à-dire, c'est mauvais en même temps. Au moment où il va être au CM2 à 8 ans, le plan dit qu'au moins à 10 ans qu'on va être au CM2. Vous lui imposez des exercices de quelqu'un de 10 ans. En 5e, vous avez perdu votre enfant. C'est fini. Parce que la base n'a pas été. C'est un peu ce que nous avons à vivre ce matin. Je vous dis sincèrement que vous soyez bienvenus. Et surtout, comptez sur vous pour réaliser cette nouvelle méthode dans notre région. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Le conférencier, président de la Ligue, et le voici. Chers stagiaires, nous voici aujourd'hui à une formation de kits, comme vient de le dire monsieur le président, à l'attention des enfants. Effectivement, l'enfant, c'est un adulte en développement, on vient de le dire. Donc, l'enfant a ses réalités. Et donc, ce kit, vous allez voir que c'est du matériel de formation, c'est du matériel d'initiation, c'est du matériel de familiarisation. En fait, c'est pour amener les enfants à découvrir, c'est la découverte de l'activité. Ils vont vous donner un kit. On va vous, par exemple, présenter un parcours jonché d'obstacles. Pour les grands, on va parler de haies à franchir. Mais pour les enfants, on ne parlera pas de haies. On va parler d'obstacles à franchir. Et ces obstacles seront mis à des hauteurs progressivement élevées par rapport à la morphologie des enfants, à l'âge mental des enfants, parce qu'ils ne sont pas à même de comprendre et de réaliser la difficulté en même temps qu'un adulte. Donc, la formation qui arrive aujourd'hui, c'est une formation en mon sens. Mais trop tard, vous bien faire. Aujourd'hui, on va vous donner des rudiments, des éducatifs permettant d'amener les enfants à découvrir une panoplie d'activités. C'est du matériel qu'on va vous présenter. Et c'est du matériel que nous pouvons, nous aussi, par la récupération, trouver du matériel
pour faire ce genre d'exercice à tous les enfants. Et donc, je vous invite ce matin, par beaucoup d'attention, à poser des questions, surtout à poser des questions à chaque étape. Si vous n'avez pas compris, il faut poser des questions. Il y a des éducatifs qu'on va vous montrer pour améliorer, pour appréhender tel ou tel exercice. Donc, je vais demander de votre vigilance, de votre attention pour cette séance. Et je vous espère que vous sortirez de là, vous mettrez à profit les instructions que vous aurez ce matin à travers le conférence. Et je vous souhaite du temps, un succès pour le premier passage de Kids. Merci.